Is Kate Middleton? Oh, yes! Hi, je m'appelle William, prince héritier de la couronne d'Angleterre. Oh yeah, so British! Allez, reproduisez-vous! Allez, faites marier là! Mariez-vous! Pour pouvoir qui me sont conférés, je vous déclare à présent mari et femme. Selon l'union sacrée du mariage. Prince William, vous pouvez embrasser la mariée. Le baiser, le baiser. Bienvenue à tous pour ces rencontres des mémoires urbaines qui se dérouleront les 29 et 30 avril 2011 à Rouen dans la somptueuse salle des Halles-aux-Toiles. Le programme sera chargé, excessivement chargé, avec l'intervention notamment du grand sociologue Jean-Baptiste Pock et l'intervention également en contrepartie de quelques jeunes des Hauts-de-Rouen pour nous faire part notamment de leur vécu dans leur quartier. Sans plus attendre, donnons la parole à des jeunes des Hauts-de-Rouen pour nous faire part de leur vécu sur leur quartier. Oui, très intéressant. Nous comprenons votre désarroi, monsieur le jeune. Peut-être un autre jeune, une autre réaction. Oui, vous là, oui. Je vais vous dire, il y a trop de choses à dire sur le quartier, il y a trop de choses à dire. Mais, bah, c'est pas trop, quoi, parce que je trouve pas les mots, quoi, pour m'exprimer. Et puis j'ai la flemme, bordel. Laissez-moi. Je crois qu'on a déjà bien avancé. Oui, peut-être une dernière action d'un jeune. Oui, vous, là, oui. Ouais. Je tiens juste à dire que c'est vrai, parfois le quartier c'est un peu l'HP quoi. Moi je peux juste donner par exemple pas mon exemple hein, mais l'exemple d'un mec que je connais. On sent qu'il a des difficultés quoi. Il a du mal à pouvoir s'exprimer quoi. Pour pouvoir parler. Voilà, il s'appelle Michael. Pour donner un exemple précis, au quartier, il y a toujours vécu et il a beau avoir déménagé 5 fois, il est toujours resté. Et en fait, il a jamais bougé. Donc on sait pas trop ce qu'il fait quoi. Bon, on se demande toujours, hein. Bah, il reste au quartier, quoi. J'avais que ça à dire. Bon, peut-être un tout dernier témoignage, mais vraiment le dernier. Celui d'un habitant des Hauts-de-Rouen. On vous donne la parole, monsieur. Oui, allez-y. Moi le quartier, j'y vis depuis toujours, depuis que j'y suis né. C'est la racaille, la crasse, quoi. Pour illustrer mes propos, j'ai deux, trois images. Ça ne souffre aucune contestation pour solutionner le problème. Je m'inspire notamment de notre très cher président. Tout le monde le remarquera. Restez, 67.
spéciale dédicace à Akos et Brooklyn. Yo, ha, ha, yo, yo, check it, check. Ah, oh, il a promis qu'il allait nous en débarrasser au karcher, quoi. Le temps est peut-être venu de faire appel à un spécialiste des quartiers, un homme de savoir, et nous en avons un, à savoir le sociologue Jean-Baptiste Poc. Je lui laisse le soin de se présenter lui-même. Oh, un micro, je vous prie, un micro. Ah, ah, merci. Check, 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 check. Come on, motherfucker! What's it all for? People up! Oi, 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 oi. Bien évidemment, je déconne. Je tiens tout d'abord à ce qu'on salue ces quelques jeunes des Hauts-de-Rouen pour leur performance et leur baragouinage, ma foi, fort sympathique. Bon, bref, je me présente. Jean-Baptiste Poc, docteur S sociologie à l'université de Rouen 2. Vous aurez certainement lu mon célèbre ouvrage « Je n'habite pas ton quartier, mais je le connais mieux que toi ». Bref, pour en revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le vécu, les mémoires urbaines sur les Hauts-de-Rouen, je tiens juste à dire une chose. Elle me vient de mon grand-père qui, je me rappelle avec une certaine émotion, me rappelait dans nos longues discussions que par le passé, nos longues discussions où nous refaisions le monde, par le passé, les Hauts-de-Rouen n'étaient qu'une vaste étendue de terres agricoles. En somme, une exploitation fermière avec ses terres agricoles, ses animaux dociles et le travail simple de la terre. Bref, c'était le bon vieux temps. Bon, bon, oui, oui, oui. On me dit que je m'écarte un peu du sujet, que je dois plus accentuer sur les constructions urbaines, les HLM. Ah, d'accord. Bon, ce n'était pas prévu, mais j'ai quand même préparé un petit texte. Bon, rassurez-vous, trois fois rien, quelques menus feuillets, je le sors, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas grand-chose, hein. Bon, voilà, petite dizaine de feuillets. Bref, j'ai intitulé ce petit texte « Ébauche sur l'historique des problématiques socio-économiques sur les Hauts-de-Rouen de la République ». Bref, je commence.